Oui. Est-ce que vous voyez Oui, c'est parfait, on voit. C'est parfait? Ok, très bien. Bonjour à tous. Merci d'être là, d'assister. Donc ce matin, ce sera le webinaire sur la partie Aseano. Donc Aseano, pour ceux qui ne connaissent pas cette zone qui n'existe que chez Business France, c'est donc la partie ASEAN, Asie du Sud-Est, l'organisation, et l'Océanie. Voilà. Nous sommes deux personnes sur l'Invest ici à travailler. Donc, Futachar qui est là, qui est visible avec moi, voilà, qui couvre la Thaïlande, la Malaisie et le Vietnam. Et pour ma part, je couvre Singapour, l'Australie et l'Indonésie. Notre directeur de zone, je pense que la plupart de vous ont déjà rencontré, c'est Yann Frollo de Kerlivieux qui est basé à Hanoï, au Vietnam, et qui travaille avec nous sur les grands comptes et qui coordonne notre activité Invest. Alors, voilà, la zone que nous couvrons, qui est assez vaste et surtout très hétérogène, parce que nous avons des pays avec un indice de développement assez bas, avec on a le Laos à voilà, PIB par habitant de 2000 dollars, et plusieurs pays comme le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie, qui ont beaucoup d'opportunités, enfin, en tout cas récurrentes, pas beaucoup, mais ponctuelles, d'opportunités d'investissement, mais que nous ne prospectons pas activement. Et trois pays prioritaires, donc deux grands pays qui sont développés, Singapour et l'Australie, et la Thaïlande, on va le voir après sur de nombreux aspects industriels, notamment agroalimentaires et énergie. Donc c'est très vaste. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand même ce qui est intéressant pour vous ARD quand vous venez prospecter la région. Alors il y a des aventureux qui sont quand même venus jusqu'en Australie voilà, l'année dernière. C'est très peu exploré. Mais si vous allez dans un de ces pays, ils sont tous assez proches, en tout cas dans l'ASEAN, à 1 heure et demie, 2 heures d'avion. Donc en fait, c'est vraiment souvent une prospection bi-pays qu'on fait. Et là, on voit quand même bien, à part l'Australie qui est un peu plus loin, mais il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent peut-être se prospecter seules. C'est quand même une zone sur laquelle on peut se déplacer facilement, malgré la segmentation. Alors, très rapidement sur les tendances, parce que c'est assez difficile sur une zone aussi hétérogène de présenter des grandes tendances, mais ce qu'on peut dire, c'est que l'ASEAN, pendant 2 décennies, a eu des taux de croissance extrêmement élevés, au-delà de 5%. Ça a un peu fléchi récemment et donc on est passé à 4,2 avec évidemment des zones, voilà, il y a 4,3, mais avec des pays qui ont des forts taux de croissance parce qu'ils sont un peu plus en développement. Mais on a par exemple l'Indonésie, le Vietnam qui sont encore à 5% et voilà, Singapour et la Thaïlande qui sont à moins de 2%, 1,9 et 1,1 respectivement. Donc c'est beaucoup plus bas, mais on est quand même, je vous ai mis les estimations de croissance en fait, par rapport aux autres régions, on est quand même sur des taux qui sont au-delà des taux de croissance du monde. Donc, on a des opportunités, des entreprises, des conglomérats qui grossissent et donc voilà, des entreprises qui cherchent à se développer à l'international. On va en parler un peu après. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est quand même des gros marchés. Il y a une population voilà, très importante. C'est presque 10% de la population mondiale. Là, on est à 9%, mais ça a un peu augmenté. On se rapproche des 10%. C'est des populations qui s'enrichit, donc qui devient de plus en plus tend vers les classes moyennes et donc qui crée des consommations et qui crée de la consommation et donc qui forcément crée des gros mastodontes. On a des gros conglomérats, mais on a surtout, par exemple, sur tout ce qui est e-commerce, retail, etc., sur des grands groupes qui ensuite se développent et après ont des capacités d'aller se développer à l'extérieur. Je vous ai fait un petit slide sur l'Australie, c'est à part. On va en parler aussi tout à l'heure, à part sur les opportunités. L'Australie, c'est vraiment un pays sur lequel qui a des taux de croissance qui ont longtemps été extrêmement importants. Donc là, après Covid, c'est un pays qui a été dans les derniers à se réouvrir, a eu un ralentissement de sa croissance, mais il y a un plein emploi. On est sur un petit marché. Donc, on va le voir après, on a des grosses entreprises qui ont besoin de sortir de ce marché. 26 millions d'habitants, c'est très petit. Et des entreprises qui sortent de ce marché, qui vont aux États-Unis, qui allaient beaucoup au Royaume-Uni et qui aujourd'hui considèrent de plus en plus la France. Voilà, on est aussi sur pareil, des PIB par habitant qui sont assez élevés, bien au-delà de celui de la France, avec 65 000 USD par habitant. Voilà, alors pour présenter, c'est encore une fois, on va après aborder hein, pour chaque secteur
Différemment, on vous a mis quelques noms. Peut-être, Foutachar, est-ce que tu veux présenter les grands conglomérats? Là, s'il y a des conglomérats de toute la zone, vous devez en connaître. Peut-être en présenter quelques-uns. Je vais en présenter quelques-uns pour les Wesfarmers, Futures Industries, qui sont des gros sur les énergies australiens. Olam, qui est un géant agroalimentaire singapourien. ST Engineering, qui est un conglomérat industriel. Keppel sur l'énergie, Sixthem Corp. Donc, on a des gros conglomérats industriels qui se font plus forcément dans nos régions du monde sur plusieurs secteurs de marché. L'énergie, ça peut être aussi parfois la défense, la sécurité, voilà, les moyens de production. On en a sur l'automobile aussi. Foutachar, je te laisse peut-être présenter quelques grands conglomérats qui sont cités sur ce slide. Oui, donc des groupes industriels de premier plan, donc alors un petit peu moins connus, je dirais, des Américains, des Taïwanais ou des Chinois pour parler de la zone, mais en tout cas des groupes qui ont vraiment une taille bon, qui vont aller chercher de la croissance, donc maintenant sur des marchés de plus en plus lointains. Des groupes comme PTT, par exemple, c'est l'équivalent de Total en France. Un Thai Union, donc je dirais, voilà, c'est le premier groupe, donc un groupe agroalimentaire qui a investi très lourdement en France, donc les premiers d'ailleurs à investir en France, propriétaires notamment du petit navire. Mais pas que, puisque ils sont capables, enfin, ce sont des groupes qui sont capables d'aller réaliser des investissements de de plusieurs milliards de dollars sur des marchés, donc aux États-Unis et un peu partout dans le monde. On parle peut-être un tout petit peu moins du Vietnamien, bon, des deux Vietnamiens que j'ai mis là sur la carte. FPT, donc FPT, il faut savoir que c'est aujourd'hui l'entreprise en fait qui progresse très rapidement, donc au niveau mondial. C'est une entreprise en fait de solutions informatiques qui est en train de s'implanter lourdement en France. C'est notamment le partenaire stratégique d'Airbus pour développer en fait la plateforme Skywise, l'outil en fait qui est aujourd'hui utilisé par plusieurs centaines d'opérateurs, donc en France et en Europe et même dans le monde. Donc voilà, ils sont très très peu connus aujourd'hui, mais vous allez entendre parler de ce groupe très prochainement. Ils viennent de s'implanter en fait à Sophia Antipolis, par exemple, une troisième filiale. VinFast, je sais que tout le monde en parle. Le tout dernier, donc le constructeur, je dirais, donc au niveau global, il souhaite développer en fait une flotte de véhicules électriques. Ils viennent tout simplement, en fait, ils ont été créés, la branche automobile a été créée que depuis 2017. Alors, vous imaginez la vitesse à laquelle ils ont effectivement développé. Aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de modèles qu'ils souhaitent commercialiser dans le monde et en France. Donc, ils viennent d'implanter donc, également donc, plusieurs points de vente. Ils souhaitent, ben voilà, se déployer très, très, très clairement en Europe. En France, ils parlent de 25 points de vente en France. Ils en ont déjà ouvert une dizaine et ça continue. Nous, bien sûr, derrière, on est plus sur un projet industriel avec VinFast. Bien sûr, pourquoi pas un site d'assemblage européen. Et là, tout récemment, on parle même des projets batteries. Donc, vous voyez, c'est des personnes, voilà, qui ont des groupes qui sont financièrement très solides, qui veulent, voilà, venir chercher des choses en Europe. Très difficile, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Donc, il faut vraiment aller travailler. Indorama, c'est un groupe, voilà, qui ne fait pas beaucoup de communication sur ce qu'ils font. Et pourtant, ils investissent également en masse en France. Cinquième projet déjà, donc avec trois usines de recyclage, avec bien sûr le partenariat avec Carbios tout récemment, une usine de plus de 200 millions d'euros, avec au moins 150 emplois qui vont être créés dans le Grand Est. Donc ces gens-là, ce sont des gens, bien évidemment, qui sont capables de faire de plus en plus d'investissements. Alors,
Il y a des freins, hein, donc je pense que Karine, voilà, on peut, enfin des forces déjà, on peut déjà aussi parler des forces de ces entreprises en Asie, hein, ce sont des, ils ont des intérêts qui correspondent à nos secteurs, au secteur de France 2030. Ils souhaitent aller chercher de l'innovation, donc c'est quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils ont beaucoup, beaucoup de moyens financiers, mais ils n'ont pas les talents, ils n'ont pas les entreprises qui sont en capacité de développer des solutions dans le cadre de leur stratégie de développement. Alors, la Thaïlande, c'est le plan national de Thaïlande 4.0, hein, qui est destiné à relever en fait, le niveau de l'industrie au niveau local. Et pour ça, il faut aller chercher, bien sûr, des compétences. Il y a un intérêt pour l'Europe qui est vraiment très clair aujourd'hui par rapport aux États-Unis et ou par rapport à la Chine, par exemple. Donc aujourd'hui, on vient chercher des choses, on vient chercher des opportunités. Je suis régulièrement sollicitée, voilà, pour donner des informations sur l'écosystème en France. Alors, tout à l'heure, on a parlé des grands conglomérats qui ont investi en France. Bien sûr, aujourd'hui, on parle beaucoup de réindustrialisation, des projets de décarbonation des outils de production en France. Donc là aussi, on peut aller les chercher sur ces projets-là. L'avantage, encore une fois, nous sommes là, Karine et moi, depuis près de 7 ans sur cette zone. Donc, on a bien sûr travaillé nos relations avec ces grands groupes. On les connaît bien. Nous avons des accès à très haut niveau. Donc, de ces grands groupes, les relations sont faciles. On peut arriver facilement à faire passer des messages. À ces grands groupes, les messages notamment concernant l'innovation qui peuvent évidemment répondre à leurs besoins. Je continue, Karine, peut-être sur les opportunités. Oui, c'est tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils recherchent? Alors, bien sûr, les grands projets industriels ont déjà été réalisés il y a 5-6 ans, hein, donc 2000, pardon, depuis 10 ans. Aujourd'hui, on est plutôt qu'on parle d'aller chercher de l'innovation, ce n'est pas exclusivement via les investissements financiers. Ce n'est pas du tout ce que recherchent ces grands groupes ici dans la zone. On va surtout rechercher des partenaires techniques en France, des partenaires qui ont un savoir-faire, une innovation, qui ont peut-être intérêt à se développer en Asie, parce que là, ces grands conglomérats sont prêts à leur ouvrir, je dirais, ce marché. Donc, c'est du win-win. Eux, bien sûr, disposeraient évidemment d'une innovation. Et puis, pour nos entreprises, une croissance sur un marché extraordinaire. C'est un pays aussi qui est peu prospecté quand même. Donc, pour les uns et les autres, pour la région, pour les régions, on reçoit peu de sollicitations quand même de nos partenaires. Alors aujourd'hui, on a des réguliers, si je peux dire ça comme ça, qui viennent prospecter. Ils repartent avec des projets. Je peux vous assurer qu'il y a des choses. Ils sont plutôt ravis de vous accueillir pour parler d'opportunités. Donc venez, parce que voilà. Donc il y a des pays dans lesquels les CEO, les décideurs sont sursollicités pour ce type de demande. Aujourd'hui, au contraire, voilà, ils sont plutôt ouverts ils sont disponibles à disposer à vous rencontrer pour vous entendre. Beaucoup de liquidités, on parlait. Donc, bien évidemment, ce sont des groupes qui sont classés au niveau mondial, dans les 500, je dirais. On peut retrouver beaucoup de tailles dans le top 500. Au niveau mondial, ils ont beaucoup de liquidités, beaucoup de possibilités. Les fonds sont bien dotés. C'est des tickets de plus de 5 millions de dollars, 5-10 millions. Et aujourd'hui, de plus en plus, on me dit, mais on n'est pas limité en fait à ce montant-là. Au contraire, si on arrive à trouver, à identifier la bonne cible, bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin donc, par rapport à cet investissement. Je vous invite vraiment venir vraiment nous solliciter sur ce type sur cette zone-là. Il y a encore beaucoup beaucoup à faire on y croit avec Karine.
Il y a quand même, voilà, ça, je pense que ça peut être intéressant pour vous de venir au moins prendre un peu la température. Karim, peut-être sur Oui, le. je vais Voilà. apprendre sur les faiblesses et les menaces. Je pense que vous les avez lues. Effectivement, les difficultés qu'on rencontre, c'est que la France et même l'Europe sont quand même un peu moins connues. Donc, on a des processus de décision qui sont un peu plus lents, plus de questions. Ce qu'on a mis dans les opportunités, c'est que en général, les grands groupes d'ASEAN et même d'Australie voyagent quand même très régulièrement en France sur des salons pour faire des European Tours, ce qu'ils font régulièrement. Donc, on peut organiser des rendez-vous avec des régulateurs, des cabinets ministériels pour les rassurer sur certains points qui peuvent ralentir les prises de décision. Bon, les préjugés, on les travaille comme vous, mais c'est vrai que le droit du travail est un point qui est quand même régulièrement soulevé. Et fiscalité, ça, on a apparemment aussi des arguments, mais c'est les deux sur lesquels on travaille. Et les visas aujourd'hui, ils savent qu'il y a une politique de visa qui est assez intéressante, donc on a quand même moins de questions. Un des points aussi, c'est quand même la concurrence du Royaume-Uni, donc c'est une opportunité et une menace. On a eu un effet Brexit très important. La plupart des pays de cette zone viennent du Commonwealth, donc ils étaient très proches du Royaume-Uni. Donc on a eu une fenêtre assez importante qui aujourd'hui commence à se refermer parce que le Royaume-Uni prospecte de plus en plus dans cette zone et il revient. Donc on doit y faire face aussi. Alors bon, après évidemment sur la langue, distance RH, mais ça c'est un travail à faire. Et puis l'instabilité du contexte mondial, c'est vrai que sur des pays par exemple comme Singapour qui sont très prudents, le contexte de l'Ukraine, pour eux c'est vraiment un gros sujet d'inquiétude dont ils nous font part régulièrement, mais on travaille dessus. Voilà, en termes de chiffres, donc on a une quarantaine de projets d'investissement diffusés tous les ans. En abouti cette année, donc on en a vu 33, ce qui correspond à peu près 600 emplois créés. On n'a pas eu de maintien d'emploi de reprise. On en a déjà eu précédemment, mais pas cette année. Voilà, alors peut-être qu'on va vous présenter quelques petites success stories. Donc s'ils sont faits très rapidement en foot à char, mais que vous ayez voilà, une idée du type de projet et puis des grands conglomérats qui peuvent investir en France dans notre zone. Tu es en mute, Foutacha. Foutacha, tu es en mute. Pardon, 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 pardon. Donc, success stories, donc les plus récentes, j'ai parlé d'Indorama. Donc, le dernier projet d'Indorama, bien sûr, donc c'est l'implantation d'une usine de recyclage de bioplastique, donc avec Carbios, avec l'innovation de Carbios, développé Carbios. Et je peux vous dire que si effectivement ce projet s'avère être intéressant, Indorama est bien sûr tout à fait disposé à le déployer ailleurs. Il dispose de plus de 150 sites à l'étranger. Donc voilà, donc un gros client évidemment, donc avec des qui est porteur de gros projets. FPT, donc le Vietnamien, donc le fournisseur de services technologiques, pareil. Donc voilà, donc ça a démarré très très lent depuis 2008, mais on sent effectivement une accélération là depuis ces 2, 3 dernières années avec développement donc de bureaux en France. Là, ils ont 3 bureaux, donc 3 filiales en France, mais ils ne s'en tiennent pas là puisqu'il y a des annonces il y a des recherches de sites pour aller peut-être remonter un peu plus haut au niveau de la carte de l'Europe. Ils viennent également de faire une acquisition en fait, d'une entreprise alors qui sur lequel ils vont devoir effectivement s'appuyer pour se développer encore un peu plus vite. VinFast, Vingroup, cette entreprise voilà, donc qui ambitionne de devenir un des acteurs en fait, de la filière dans l'électrique, donc se déploie donc très rapidement. Donc le groupe est porté par le conglomérat, hein, donc la tête du groupe qui est effectivement le premier conglomérat du pays pour financer tout simplement des usines. Aujourd'hui, ils sont en train de réaliser une usine aux États-Unis de 4 000 personnes, donc un gros projet qui coûte énormément d'argent. Ça a pris du retard, c'est leur premier gros projet à l'étranger.
Nous, on espère évidemment que que le projet Europe, effectivement, nous reviendra. On est là derrière, donc, mais voilà, donc ça prend du temps, beaucoup de relations, beaucoup de relationnel avec ce groupe qui ont besoin d'en savoir plus sur l'écosystème, sur bien comprendre comment, évidemment, ils peuvent bénéficier de cette implantation en France pour développer leur flotte. Voilà, Karine, tout ce que je peux dire, voilà des success stories, mais enfin, il y en a encore d'autres, mais ça, c'est vraiment, vraiment les plus visibles ces dernières années. Ça veut dire qu'il y a vraiment aujourd'hui une croissance, voilà, l'arrivée des beaux projets désormais, voilà, donc de notre zone hein, sur la France, et ça va ça va continuer, hein. Oui, alors rapidement, voilà, trois types de projets aussi. Donc, nous avons le premier opérateur portuaire de Singapour, PSA, qui a investi donc à Dunkerque sur un entrepôt logistique et avec qui on discute, donc qui ont d'autres projets d'investissement en France sur le fluvial, le fret ferroviaire. Donc, ça, ce sont des grands groupes qui, avant, ne considéraient pas du tout la France et qui, depuis 5 ans, reviennent. Voilà, c'est évidemment aussi suite au Brexit, mais qui sont voilà, qui ont encore plusieurs projets en route. On a donc ça, c'est vraiment 200 emplois sur des projets logistiques. On a aussi Eureka Robotique, donc là c'est vraiment de la photonique de l'industrie 4.0, un centre de recherche. Donc c'est leur deuxième centre de recherche à Toulouse l'année dernière. Donc ils en avaient ouvert un premier il y a 5 ans. Et ensuite, Temasek, qui est un fonds souverain singapourien très important, qui, en termes d'influence, est pour nous très important. On était en grande concurrence avec d'autres pays. Donc, c'est vraiment un good catch et sera inauguré la semaine prochaine, officiellement. Il est ouvert depuis quelques mois déjà. C'est vraiment les capacités d'innovation qui ont été mises en avant de la France. C'est vraiment une preuve de confiance de la part de son souverain. Donc, c'est peu d'emplois, mais des investissements assez importants. Ils ont notamment aidé un fonds de 100 millions dans l'entreprise Pascal et ils investissent régulièrement dans des entreprises du Next 40. Donc, c'est une vraie confiance dans notre scène technologique française. Voilà. Hop. Alors, les opportunités de prospection. Alors là, on va commencer par quelques secteurs prioritaires et puis on rentrera ensuite pour chaque secteur. On a pris 5 secteurs prioritaires qui pourront ensuite vous intéresser en fonction de vos stratégies de prospection. Je passe très rapidement donc, sur les deux gros pays qui sont plus développés, Singapour et Australie. On a évidemment tout ce qui va être énergie. Énergie renouvelable, mais aussi donc, sur les hydrogènes. Ils ont beaucoup de technologies qui sont associées donc, à la gestion des infrastructures liées aux énergies renouvelables ou aux nouvelles énergies, sur tout ce qui va être innovation liée à des consommations d'énergie, notamment sur les data centers. Il y a beaucoup de data centers à Singapour, sur les centres de communication. Donc là, ils vont avoir des choses à développer. On a aussi donc l'agroalimentaire sur des gros conglomérats de commodities qui aujourd'hui ouvrent des usines de production sur les nouvelles protéines. On parlait après et transport. Voilà. On a transport, ça, tout ce qui va être spatial, transport décarboné, travaille beaucoup dessus, notamment l'Australie. Et enfin, on a une spécificité qui est le sport pour l'Australie. Donc ça, on va en parler pour les Jeux Olympiques. On a parlé pour la Coupe du Monde déjà de rugby, mais il y a des opportunités aussi dessus. Voilà, pour ta charge, si tu veux. Je te laisse pour la Thaïlande. Donc pour la Thaïlande, on avait dit tout à l'heure, bien sûr, tous les secteurs qui touchent à tous les secteurs de France 2030, donc décarbonation donc, est une priorité, sujet de décarbonation est une priorité du gouvernement thaïlandais, des industriels également. Donc là, on recherche bien sûr toutes les innovations, les solutions, les produits qui touchent effectivement à cette problématique. Beaucoup de fonds donc sur cette filière-là qui aujourd'hui sont déployés pour aller chercher des partenaires ou des innovations en France notamment. L'automobile donc oui l'automobile voilà donc savoir que la Thaïlande Thaïlande et Vietnam d'ailleurs est un pays donc industriel donc avec le secteur de l'automobile en fait en Thaïlande qui est
je dirais, une des plateformes au niveau, un centre de production au niveau mondial hein, des voitures, mais également des pièces automobiles. Alors aujourd'hui, on essaie de les attirer pour aller chercher voilà, de la croissance, trouver peut-être une synergie avec l'industrie qui se développe en Europe, en France et en Europe, sur tout ce qui est lié un petit peu aussi à la mobilité électrique, hein, donc en France aujourd'hui. Donc toute la problématique batterie, voilà, donc automobile et plus. Bioéconomie, parce que le pays, effectivement, est un grand pays agricole avec beaucoup, beaucoup de matières premières. Donc il souhaite effectivement donc, aller. trouver des solutions, développer de nouveaux produits, de nouveaux modèles, en fait, pour arriver à atteindre le niveau que nous avons, nous, retrouvé en France. L'agroalimentaire, donc, surtout la problématique des protéines alternatives. Donc, voilà, donc on a toutes ces demandes-là, mais de manière générale, c'est quand même un pays qui reste opportuniste. Voilà, donc il y a d'autres acteurs, il y a d'autres secteurs. C'est un pays qui commence à peine à aller s'implanter à l'étranger. Donc voilà, toutes les opportunités. Enfin, il y a une ouverture vraiment sur l'ensemble des opportunités. On va passer par ouais, ça. On a pris cinq opportunités de prospection sur lesquelles on a des événements mais qui ne sont pas confirmés. On va vous les passer comme ça, vous pourrez avoir les slides et vous aurez ouais, en tout cas les pays cibles pour Très prospecter. Rapide. Ouais, donc très rapidement sur la santé. Donc on a deux gros salons sur lesquels on aura très probablement des pavillons France. Donc Pavillon France, bon, on essaie évidemment de trouver une synergie avec avec l'export. Donc peut-être l'occasion pour vous de présenter voilà donc les atouts de votre région à l'occasion de ces salons-là, organiser des événements qui sont en marge de ces salons pour profiter un petit peu de l'engouement de la filière à ce moment-là. Bon, je pense qu'on peut, on peut passer rapidement sur ces slides. L'agroalimentaire, alors pour ce qui pourrait vous intéresser, c'est Vivasia, évidemment. Donc, nous avons fait des choses avec des partenaires donc en région par le passé. Ça a été très payant. Ça a été très, très payant. Donc, ce sont des salons voilà, d'envergure internationale. Il y a des gens qui reviennent de toutes les régions du monde pour visiter ces salons-là. Propac, Vivasia, des salons qui mobilisent énormément de grands acteurs. Oui, tout à fait. Et mais pour Singapour, je n'ai pas mis en pays cible parce que c'est vrai que sur l'agri, c'est plutôt enfin, tout ce qui va être agroalimentaire. Ce n'est pas un pays forcément prioritaire, même s'il y a des opportunités, mais ça va plutôt être un pays d'extension. On l'a fait avec une ARD récemment. C'est pour ça que j'ai mis le salon AgriFoodTech où c'est vraiment tout ce qui va être innovation dans l'agroalimentaire. Ils sont très en avance sur les nouvelles protéines, ce genre de choses. Oui, et de plus en plus, en fait, par exemple, sur Vivasia, on travaille avec nos collègues, en fait, des pays de la zone. Sur cette filière agroalimentaire. Donc, ça veut dire qu'il y a des Vietnamiens qui vont venir sur ce salon-là, pourquoi pas des entreprises indonésiennes, des entreprises malaisiennes, qu'on pourra aller évidemment solliciter, qu'on pourra aller chercher pour faire effectivement cette présentation de vos atouts. Tout à fait. Alors, ensuite, nous avons ce qui est transition énergétique. Donc, alors, on n'a pas, encore une fois, je dis, on n'a pas tous les salons parce qu'il y aura une programmation en Australie et en tout cas sur décarbonation industrie, énergie. L'Australie, c'est un pays qui est très peu, en tout cas, exploité, prospecté aujourd'hui. Et on a eu, on a eu une ARD qui est venue et qui a eu plusieurs projets. Donc, même s'il n'y a pas forcément d'événements à ce jour, déjà, il y en aura. Pas encore confirmé. Et ensuite, c'est vraiment un pays intéressant avec
très gros groupes qui ont aujourd'hui énormément de liquidités, qui ont besoin de sortir de leur pays pour investir et qui considèrent voilà, vraiment la France et notamment avec des appels d'offres sur la France 2030. Donc voilà, je vous considère l'Australie est vraiment un compte important. Singapour, on va plutôt être sur de la technologie et aussi sur de l'investissement dans des projets, de l'investissement financier. Mais en tout cas, on a quand même quelques projets qui sortent et évidemment la Thaïlande. Sur ces projets, donc, on a NPEC Polytech ASGS, ou c'est pas Tacha sur quels sont les sujets portés par ce salon, par le premier. Non, tu es en mute. Tu es en mute. Tu es en mute, Tacha. Pardon, pardon. Décarbonation, tout simplement. Hein. Donc, on est donc voilà, donc sur un salon qui donc pour aller échanger sur les solutions, sur les produits et les solutions pour décarboner l'industrie, les industries. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs. Alors, on parlait des gros acteurs, des conglomérats thaïlandais. Ils sont tous aujourd'hui sur cette problématique-là. Donc, tous, hein, des PTT, des PTTGC, des Bangtan, enfin, on a le top 10, le top 15 de grands groupes thaïlandais qui exposent déjà, mais qui aussi vont aller chercher un petit peu des innovations sur ce type de salon. Merci. On a à Singapour la Singapore Energy Week. Donc là, on a beaucoup de groupes français qui viennent à ce moment-là pour intervenir. Donc, on a des événements de networking, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment très énergie focused. Et ensuite, on a un autre salon qui est le World Summit, qui est concomitant au Enviro Summit et Water Week. Alors, l'Enviro Summit, on va avoir beaucoup de sujets, et c'est vrai que c'est un sujet aussi sur le traitement des déchets. On a beaucoup de groupes singapouriens qui s'intéressent au recyclage de batteries, mais alors pas lithium, on va voir sur du plomb, sur des choses qui sont plus intéressantes, sur la biomasse, sur voilà. Donc peut-être sur des parties voilà, plus sur le déchet, et puis gestion de l'eau aussi. Là, on est plutôt sur des investissements où les groupes singapouriens cherchent à trouver des entreprises qui pourraient faire venir aussi en Australie, donc ils investissent ou ils co-investissent avec des groupes français sur ce sujet, mais c'est intéressant de venir les voir. Ce sont aussi les deux des salons régionaux à Singapour et un centre régional de business, donc il y a beaucoup de salons régionaux, donc il y a plusieurs acteurs régionaux qui sont présents, des grands groupes. Alors le dernier, je crois que c'est dernier, tout ce qui va être digitalisation, tech, innovation. Donc, là, c'était un peu plus. C'est la dernière part. Là, on a eu quand même plusieurs DRD qui sont venus, plusieurs régions qui sont venues prospecter sur ces sujets. Et il y a, donc là, c'est vraiment notre force en innovation. Ils viennent, il y a beaucoup de spin-off, notamment à Singapour ou en Australie, donc l'équivalent du CNRSI Sairo en Australie ou ESTAR à Singapour. Ce sont des entreprises qui n'ont pas les marchés et pas les ressources en termes de main-d'œuvre dans leur pays et qui cherchent voilà, à s'implanter. Donc, c'est beaucoup de centres de R&D. Souvent, ils ont déjà fait évidemment des levées, donc c'est vraiment des scale-up asiatiques qui peuvent venir. Alors on a le FinTech Festival qui est en même temps que Switch. Switch, c'est vraiment sur l'innovation transversale, mais FinTech, on en a beaucoup. Je sais que ce n'est pas forcément une prioritaire, mais ça se tient en même temps, ces deux festivals, donc on les traite en même temps. Alors je vois qu'on a mis aussi drone et infrastructure, mais on va en parler peut-être au dernier slide sur la mobilité. On a aussi tout ce qui va être e-commerce, donc on a des géants ici. Chinois, mais donc tout ce qui va être sur de la logistique connectée, sur des logiciels de paiement, ce genre de choses. Donc sur la tech, il y a vraiment un besoin de se développer sur les marchés, le marché européen, et donc on a quand même plusieurs projets. Voilà. Et sur la mobilité, Tachar, je te laisserai clôturer sur drone et infrastructure. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que Singapour, l'année prochaine, alors on n'a pas le droit de l'écrire parce que ça va être annoncé prochainement, ce sera l'année de la durabilité entre Singapour et la France. Donc, il y aura beaucoup d'événements, donc notamment sur décarbonation, mais aussi sur les mobilités douces, sur tout ce qui va être voilà, durabilité. Donc, on aura plusieurs événements de mai 2024 à mai 2025, mais qu'on ne peut pas encore citer aujourd'hui. Donc, je vous le dis à l'oral. Sur la mobilité, on a une grosse coopération spatiale avec Singapour et même l'Australie. Donc, on a fait déjà un webinaire. Je ne sais pas s'il y a des gens de l'Occitanie où il y avait
beaucoup d'intérêt des deux pays. Et puis tout ce qui va être mobilité douce, donc logiciel embarqué, etc. Puisqu'on a des pays qui sont aussi avancés sur les véhicules autonomes. Futachar, je ne sais pas si tu veux parler des drones aussi, peut-être, et infrastructures sur ce salon. Très rapidement, donc sur ce forum drone. Alors, c'est un projet encore, mais c'est un projet qui sera proposé par notre filière, donc industrie, pour tout simplement essayer de réunir en fait les acteurs, les industries de cette filière-là, pour proposer en fait l'offre de savoir-faire en France. Parce que nous sommes de plus en plus sollicités, voilà, donc par les Thaïlandais pour avoir une présentation sur l'écosystème, les technologies, des solutions développées par la France dans ce domaine-là, parce que la Thaïlande tout simplement souhaite se développer cette filière ici au niveau local avec des très très gros acteurs. De manière générale, ce sont des forums qui mobilise pas mal de monde. On a en moyenne 150 à 180 participants. Donc voilà, on essaye de vraiment. C'est deux événements par an, grosso modo, organisés par la filière industrie. Et on prépare ça donc sur 6 mois à peu près, avec collaboration de tous les services, hein, pour essayer de ramener beaucoup, beaucoup de clients potentiels. Tout est à confirmer, donc au niveau des dates, au niveau, ma collègue m'a dit, voilà, drone et infrastructure, donc tout ça reste évidemment à préciser, mais si ça vous intéresse, bien sûr, prévenez-nous. On vous mettra évidemment dans la boucle dès que les informations se préciseront pour que vous soyez informés des choses qui pourraient vous intéresser le moment venu. Très bien. Et alors, pour terminer, des approches de marché. Alors, c'est un peu délicat, on met toujours un peu les mêmes. Donc, mais oui, effectivement, ce qui est sûr, c'est que dans cette partie du monde, les talents sont vraiment à mettre en avant. Et souvent, vous le faites très bien dans les ARD de mettre votre écosystème de centres de recherche, d'écoles, voilà, enfin, ce qu'ils fournissent. Et donc, ça, c'est vraiment une des choses à mettre en avant en premier, je dirais, notre environnement R&D, l'offre de viseurs talents, on le fait aussi. Et merci à tous, parce que vous nous aidez, je le sais, tous au niveau local pour travailler avec les préfectures. Et ensuite, alors, de plus en plus, j'ai mis situation stratégique et géographique en Europe sur la distribution. On a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui souhaitent attaquer de la France plusieurs quartiers généraux, mettre leur quartier général européen et donc être près de nos logistiques. Donc ça, on essaye de montrer les grands axes, de montrer en quoi la France est stratégique, en quoi on peut, si on veut être à Lyon, en quoi on peut attaquer plusieurs pays à moins d'une heure de route, et sur des axes logistiques. Donc ça, c'est aussi mettre en valeur. Alors, le dernier, c'est la porte d'entrée vers le marché africain. C'est vrai que sur certains domaines d'activité, notamment Singapour est très très intéressé par les grands groupes singapouriens sont intéressés par l'Afrique. Il y en a d'ailleurs qui sont déjà installés et donc ils nous posent aussi des questions. Donc, si vous avez une connexion ou des partenariats, c'est aussi à mettre en avant. Évidemment, sur les faiblesses à travailler, je pense qu'il n'y a pas de. Enfin, ce sont toujours les mêmes sur lesquels on travaille, mais bon, vous êtes très au fait de tout ça et puis travailler ensemble de concert. Sur ces recherches de partenaires bancaires, voilà, sur ces petites corridors, enfin, sur ces délais qu'on peut malheureusement pas toujours éviter. Voilà, très bien, je ne sais pas si. Oui, pardon. Non, juste peut-être sur les lourdeurs administratives. C'est vrai que ça me remonte très régulièrement. Autant, bon, la recherche bancaire, maintenant, on arrive effectivement à trouver les solutions, mais alors les lourdeurs administratives, c'est vraiment, ça représente vraiment un frein. On a des entreprises là aujourd'hui qui souhaitent, ici, on a des gens voilà, très pressés, ils veulent aller très vite. Et là, lorsqu'on leur parle de délai d'un an et demi, 2 ans, voire un peu plus même avant de pouvoir lancer des activités, très souvent, voilà, ils se retirent, ils veulent aller vers des choses beaucoup plus rapides. Et puis l'offre d'opportunités, bien sûr, quand on a envie d'aller investir, quand on leur a donné envie d'y aller, il faut aussi être en capacité de leur
peut-être présenter des choses qui soient des choses concrètes. Si vous avez, voilà, donc si vous recherchez, voilà, des partenaires, si vous avez des boîtes qu'on peut effectivement mettre en relation, donc avec des partenaires, avec des financeurs éventuellement, n'hésitez pas, hein, donc il y a beaucoup de demandes, voilà, là-dessus. Après, on diffuse, hein, donc on diffuse, on va faire un peu de suivi pour vous. Moi, je préfère voilà, avoir des choses en main et plutôt que de leur dire, vous venez, il y a des choses, mais avec sans rien à leur présenter. Voilà. Très bien. Voilà, bon. Ça évite pour terminer. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais mettre dans le chat ou exprimer. Pas bloqué. Ah. Très bien. S'il n'y a pas de questions, je vais vous remercier tous pour votre participation. Et puis, nous restons à votre disposition avec Foutacha pour répondre à vos questions et peut-être que nous échangerons la semaine prochaine dans les one-to-one. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.